La Tibonite avec correspondant nous Nixon Deneus, puisque nous apprenons dans la commune de Liancourt qu'il y a deux personnes qui mourent et un bébé lui-même sorti blessé. Plus de détails avec correspondant nous Nixon Deneus. Bonjour. Bonjour Pierre-Renel, René, Jennifer Dina, Lydia Alexandre, Sario, Gary Dessel, nous souhaitons passer une bonne semaine. J'espère que le week-end a été bon, malgré une situation difficile. Pays à connaître ces derniers temps. Salutations à tout le monde qui a su journal Grand Boulevard à travers la Tibonite Vibration Inter Radio Delta, Mégalexi Radio Télévision des Âmes, avec Pasteur Joseph Podanis. Nous saluons également si la qui a su journal là à travers Radio Dynamique FM, sans oublier Radio Sonic Plus. Nous parlons rapidement à Guerrier Tancoudil, effectivement. Nous parlons du côté de commune Liancourt, puisque nous connaissons que situation ni toujours presque été même gens, malgré un pile dans la commune Sayo, eh bien, ils ont organisé une brigade de vigilance. Ça n'a empêché bandits qui sortis du côté de Savière avec l'autre atrophé qui ou même yo jeune support l'autre atrophé qui sorti dans l'autre commune, yo touyé deux monde dans la commune ça et puis blessé yon petit bébé nèg exam qui fait partie de base à Grand Griffe qui sorti dans sa vie première section communale privée la Tibonite, yo touyé deux monde parmi yo yon chauffeur camionnette avec yon femme à tout yo yo tiré en pile cartouche à sous camionnette là côté gen deux monde qui mouri sous place et puis yon petit bébé qui le même te nommé madame ça qui t'apprend en parlant de madame là qui t'apprend succomber eh bien bandio eh bien petit bébé a t'est tombé à tes plates donc à tout fait yo donc peut-être que bon Dieu passé dans cueil yo t'est prend petit bébé a yo metti avec habitant dans commune d'après moun dans zone là eh bien Zach ça li passé samedi 25 mars 2023 Zach insécurité yo pas suspend répété dans commune Liancourt malgré population yo même yo organisé en brigade de vigilance côté yo monté en mur sous commissariat et ensuite ils ont continué avec construction donc on est construction qui était en bas seulement qu'ils étaient faites et que policiers ont retourné mais ça n'a pas empêché que bandits ils ont continué à commettre des actes malhonnêtes dans la commune Liancourt. N'a pas remarqué qu'il y a Esline Destin nous connaît qui c'est Yon dans ménage chef gang Grand Griffla qui c'est Luxon Elan et bien qui joue une arrestation pendant la semaine qui saute passé toujours à répondre service et investigation dans le commissariat Saint-Marc côté nous parler avec commissaire gouvernement paquet Saint-Marc là maître Vincent François qui dit jusqu'à présent l'hypoco joigne à dossier donc l'attend et que service investigation voyez rapport audition bali et puis en parlant de sécurité il y a un nèg exam qui tentait kidnapper PDG Tiger sécurité donc il y a un groupe nèg exam il a manqué kidnapper PDG Tiger sécurité qui c'est Jodesti Auguste en pile monde connaît sous nom Tijo dans commune Saint-Marc et bien tentative kidnapping ça li fait dans zone délégée tout près nous là donc commune Montoui vendredi 24 mars 2023 et bien PDG compagnie sécurité ça li fait connait monsieur te prend véhicule li mais après quelques temps il t'a prêt à remettre les machines donc confiance li baille après tentative kidnapping monsieur Auguste a bien identifié monsieur comme monde qu'il reconnaît contacté à sous le César, commissaire gouvernement pour un petit bout de temps, paquet Saint-Macla, maître Vincent François, dit qu'il y a une disposition qui déjà prend, mais pour renforcer la sécurité sous toute la côte des Acadiens, à cause d'un conflit terrien entre habitants Piat et Déligé, n'a fait remarquer, ça fait quelques jours. Eh bien, depuis bandi, exam, envahi, zone, suite à conflit terrien qui existait entre habitants dans deux localités. Ça y est, faut faire remarquer, guerrier. Eh bien, jusqu'à présent, après Zach, qui était passé 25 janvier dans la commune de Liancourt, pas gagné, ça y est, les CP dans la commune de Saint-Marc. Donc, ça qui mettait, eh bien, population, nos situations, tête chargée. Entre temps, eh bien, nous connaît que fête patronale la cap avancée, gagné, conseil, de sécurité qui vient en tête du magistrat Miguel Fief, donc, qui chita parlé avec, différentes autorités, particulièrement en sous-question insécurité qui tout près là, si on prend ça qui a passé du côté de Savière, du côté de commune Liancourt et en même temps tout, ça qui a passé tout près là du côté de l'Élégier, eh bien, il y a possibilité, il y a capable
pas permettre à ce que Pèlerin yo yo capable vienne participer dans fête patronale qui vient pour le fête 25 avril qui prend là. Donc n'attend notre officiel là, mais discussion yo yo t'est penché sous question insécurité qui tout près yo, puisque délugé, donc c'est pratiquement à quelques mètres, si à quelques kilomètres de préférence, et mais qui dans ville ça va. Et puis n'a pas coupé rapidement nous praler dans Jean-Denis côté petit mépris ainsi connu qui c'est coordonnateur groupe coalition dans Jean-Denis qui est même qui a goumé contre Nèg Axam dans Savière, quand il distribue livre à cahier par plusieurs responsables de l'école dans Jean-Denis, première section communale privée la Tibouni. Distribution ça l'est faite pendant week-end. Et puis au niveau service immigration, c'est ma guerrier, c'est déblosage qui pétait devant bureau service immigration Saint-Lac-là, à côté coup de roche, à coup de chaise, fait Mikalaou entre contribuables qui viennent déposer tel passeport. Eh bien, en dans bureau service immigration, ils ont découvert un réseau de fausseurs, de monde qui a déposé de faux documents. Eh bien, responsable CRLDI Saint-Lac-là, Wachni a bien aimé. Donc, lui promet dans le jour qui prend Alvin là pour publier rapport enquête qui jusqu'à présent rapport c'est ça qui pourquoi disponible. Entre temps, gagné mais autorité sur leur information qu'elle veut rejoindre qui mêlé dans dossier ça qui au même pas jamais suspendre fréquenter espace là sous prétexte yo viennent chercher service pour quelques contribuables qui en difficulté. Yo démarche qui soulevé colère un inspecteur au niveau service immigration Saint-Marc. Nixon, Denis depuis Saint-Marc pour Radio Caraïbes FM. Nixon, avant aller. Allô Nixon. Oui, une seconde. Nixon, oui, Nixon là. Oui, là, oui, Gary. Nixon, tu peux seulement préciser ça pour moi parce que si mon ça que bandi yo ta remettre by maman dans la population, est-ce que yo retrouver parole? Ou bien qui démarche qui fait, est-ce que parole t'est venu récupérer? Et deuxièmement, t'as une information que t'es fait quoi? C'était une femme enceinte qui t'est prend balle là. Ou qu'a confirmé ou bien infirmé information ça pour nous? C'est pas une femme enceinte qui t'est prend balle, contrairement avec information de Capsi qui l'est yo. Donc, pas oublier que le samedi, marché pour sonder, donc son marché qui pratiquement tout le monde qui a sorti dans zone avoisinante, par exemple tout le monde qui sorti dans la commune de la Tibonite, donc on est difficile dans la commune Gérette également, tout l'autre côté pratiquement mon opinion dans le marché. Donc c'est le monde qui sorti par exemple du côté de Marchand des Salines également, et même le monde qui était connu sorti pour tout prince vini dans le marché pour sonder. Donc son marché qui pratiquement attiré tout le monde, puisque pas bien que Vallée la Tibonite nous produit en pile du riz. Donc c'est pas on femme enceinte contrairement avec information, mais petit bébé ça lui-même lui était blessé, donc puisque il était tombé sous à son plat. Donc mon Dieu, nous pas connait effectivement si c'est mon Dieu qui parlait dans le cœur. Bon, yo même, yo te prend si bébé a effectivement, yo te remet li avec quelques moun dans son nom. Nous pas yon trop de détails, est-ce que yo ta, li ta rejoint en famille pour le moment? Et jusqu'à présent, bon, si bébé a été nommé quelques habitants du côté de commune Liancourt, côté Bandit, et bien yo te remet li avec quelques moun, donc le petit bébé a li pas de moun.